coming down. See the shadows of my love. Where all the monsters came. Maybe blue eyes. Salut à toi, c'est Seven Set Cabal. On se retrouve aujourd'hui pour la suite sur Assassin's Creed Unity. Donc je précise que cette vidéo sortira forcément avant quelques épisodes de Syndicate, mais je voulais finir Unity avant de poursuivre dans Syndicate. Du moins, je poursuivrai dans Syndicate si je finis pas assez rapidement, mais par exemple, je ferai deux épisodes de Unity pour un épisode de Syndicate, par exemple. Enfin, bon, bref. Je tiens à m'excuser encore une fois pour la qualité du micro. Je tiens à m'excuser aussi si jamais vous entendez un grésillement ou quand je tourne, je touche à mes boutons, ça fait un petit clic 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 clic. De plus, je tiens à m'excuser aussi si vous entendez, si tu entends, faut que je m'entraîne à tutoyer, si tu entends les chats qui se battent ou les chats qui miaulent ou autre, voilà, ça fait partie des risques du métier et comme pour l'instant je n'ai plus de micro, et ben il faut faire sans vu qu'ils m'ont mangé. Et puis on va lancer la mission principale, l'exécution, séquence 10, mémoire 2. A tout de suite après la cinématique. Ils sont en train d'amener le roi. Tu es sûr que Germain sera là? Oui, j'en suis certain. Alors qu'est-ce qu'on attend? Séparons-nous, on couvrira davantage de terrain. Assassiner Germain. Alors, explorer le secteur, créer des opportunités, etc. Alors, pour revenir sur le côté critique du jeu, c'est pas mal ce qu'ils ont fait d'avoir une vue d'ensemble où ils te montrent des opportunités, où faut que tu te débrouilles, t'es pas forcément obligé de réussir à les faire, etc. C'est pas mal. Je sais pas s'ils ont fait ça sur Syndicate, je verrai quand j'y jouerai. J'y ai pas plus joué que ça. J'avoue que c'est pas mal. C'est dommage que... Enfin, le jeu il suit quand même, hein. Je dis pas le contraire, il est pas mal. Surtout avec les patchs anti-bug qu'ils ont fait, il est pas mal. Mais... encore... trop d'imperfections à mon goût. Par rapport à tous les autres Assassin's Creed, il y a trop d'imperfections à mon goût. Ouais, pas fait gaffe, mais tire pas. Juste ne tire pas. Bien si tu veux. Juste ne tire pas, n'enlève pas les autres. Il n'en est pas question. Ce que je trouve, c'est qu'il est assez difficile quand même. Enfin, c'est vrai que je suis habitué à jouer à des jeux difficiles, mais je veux dire, moi ce que j'attends d'un Assassin's Creed, c'est de pouvoir faire les missions sans me faire repérer. Or, dans ce jeu, dans celui-ci surtout, c'est très 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 difficile de faire une mission sans se faire repérer. Je crois, mais de toute façon, vous pouvez voir, surtout les personnes qui regarderont le walkthrough du début à la fin. Je crois que pas une seule mission je l'ai passée sans faire repérer. Pas une. Wow, j'ai pas vu qu'il y avait... Tout ce terrain... Et voilà, le truc c'est que là, j'ai dû faire du bon jeu. Je veux dire, j'ai tout fait sans me faire repérer ni rien.
Le truc, c'est que dès que je vais me faire repérer, tout le monde va être sur moi. Et donc, c'est comme si je n'aurais rien fait. Donc, il faut vraiment les faire sans vraiment. Sans... faut absolument. Ah! Bonjour Arnaud. Monsieur Germain. Ce n'est que justice que tu assistes à la renaissance de l'Ordre des Templiers. Après tout, tu étais là lors de sa conception. Monsieur de la Serre. Non, oh, j'ai tenté de lui ouvrir les yeux. L'Ordre était gagné par la corruption, aveuglé par ses pouvoirs et ses privilèges. Mais vous, vous pouviez le réformer, le remodeler. Il suffisait d'en tuer le chef, c'est ça? Non, la mort de la Serre ne fut que la première étape. Tu assistes à l'aboutissement. Innocent. Messieurs, je suis innocent de tout ce dont on m'inculpe. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. Le roi n'est rien de plus qu'un symbole. Les symboles inspirent la crainte, et la crainte inspire le contrôle. Mais les hommes finissent toujours par se défaire de leur crainte. Telle est la vérité pour laquelle a péri. Le droit divin des rois n'est rien de moins que le reflet du soleil sur l'or. Et lorsque la couronne et la mitre tombent en poussière, ce sont ceux qui contrôlent l'or qui forgent l'avenir. Devons la venger. Je dois prendre congé. Profite de cette journée. Tuez-le. Quelle belle entrée en scène! Qu'est-ce que tu fais? Rattrape-le! Je refuse de te laisser mourir. Alors, je ne sais plus de quoi je parlais. Ah oui, que si on se faisait repérer direct, on était sûr de mourir. Enfin, d'un côté, j'aime pas l'idée de faire une mission d'Assassin's Creed sans en plus de repérer, quoi, parce que le principe. Le but d'un assassin, c'est pas forcément de se faire repérer, entre guillemets. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis bien amélioré. Enfin, j'ai bien amélioré mes armes, etc. Donc, je fais un peu plus de dégâts et je fais moins. Vu que c'est facilement. D'accord, bon, un petit peu. Il n'en vaut pas la peine. Oh. Tu ne peux pas en affronter autant. Je sais pas pourquoi je vais tuer lui, parce que c'était pas vraiment lui qui fallait tuer. Je ne laisserai pas t'en tirer. Oh, il y a un truc que je peux. Grenade étourdissante. Ouais. Les vrais patriotes, c'est nous. On va le faire, hein. ça n'engage à rien. Elle n'approche pas de Germain. Elise, partons, c'est terminé. Je ne laisserai pas se ouais. Tirer. Ah, voilà, je m'excuse encore pour les chats. Il se trouve qu'ils ont dormi tout le long de la matinée. Et que comme par hasard, quand je commence à faire la vidéo, ils décident de bouger partout, à faire le bordel. Voilà, ça va me coûter cher, ça. C'est bien, il y a
On recommence un peu plus loin, mais bah, c'est tout, c'est pas grave. Élise, non ! Dis donc, j'ai été habitué à le faire. Mais comme je disais la dernière fois, enfin je disais ça tout seul, ils ont ajouté énormément de mouvements, mais vraiment énormément. C'est une bonne initiative, franchement, le jeu paraît plus fluide, je parle au niveau des actions et tout. Il y a moins d'actions linéaires, comme on avait avant, quoi. Mais le problème, c'est que à la fois ils ont ajouté de la fluidité, à la fois ils ont ajouté de la lenteur. Parce que quand tu effectues certaines actions, j'ai l'impression que le jeu se met en mode ralenti slow motion. Et c'est pas énormément appréciable. Surtout quand tu veux ajouter de la fluidité. C'est une des remarques qu'on peut leur faire. Avec. Il est parti! C'est pas vrai! C'était notre seule chance! Rien n'est perdu. Et confiance, nous retrouverons sa trace. Non, c'est fini! Tu crois qu'il sera négligent maintenant qu'il sait qu'on est sur sa piste? Tu avais une occasion en or de le tuer et tu as refusé de la saisir. Pour te sauver la vie! Je n'ai pas besoin que tu me sauves! Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis prête à tout risquer pour tuer Germain. Si tu n'as pas assez de courage pour te venger, alors je me passerai de ton aide. Élise! Élise! Donc voilà. Encore un petit bug. Je sais pas si vous avez remarqué dans la cinématique, à la fin de la cinématique, il y avait un petit bug avec son. Je sais plus comment ça s'appelle, l'endroit où tu poses l'épée. Bon, voilà, c'est un petit détail, encore une fois. C'est que des petits détails en fait, et c'est ça, je pense, qui a énervé la communauté. Et qui a. Bah, qui a énervé la communauté et puis qui a fait qu'il y ait une mauvaise critique sur le jeu. Pareil, les événements publics, je trouve que c'est une bonne idée. Alors, j'ai pas fait attention s'il y avait ça sur l'autre. Il me semble que si, sur Syndicate, mais je suis pas sûr. C'est ça que je trouve assez bien aussi. Alors attendez, parce que je cherche le point d'exclamation, parce qu'on va pas s'arrêter là, on va refaire une mission. Hein. Elle a duré pas longtemps. Il y a tellement de marqueurs sur la map que je ne sais plus repérer le point d'exclamation. Je suis ici. Ouais, c'est tout, on va se déplacer vers le truc là-bas. Signifie tout ça. Allez, dis-moi que tu l'as. Je pense qu'il est vers là. Ah oui, voilà. On va se téléporter là-bas. Hop. Donc je vais faire un petit aparté que je voulais dire. C'est que j'ai dit plusieurs fois sur ma page Facebook, pour ceux qui regardent ma page Facebook, que j'allais faire des tests, etc., etc. Le problème étant qu'un test, ça prend énormément de temps, et que, comme je suis à la fac, j'ai pas énormément de temps. Du coup, c'est pour vous dire que je m'excuse si c'est pas arrivé, ça arrivera, ça prendra le temps que ça prendra. Voilà, je me donne pas de date, mais quand je le ferai, je souhaite le faire bien, du coup ça prendra pas mal de temps. Voilà, donc c'était la fin de la petite aparté, et puis on se retrouve après la cinématique, je pense qu'on aura la cinématique juste après. Ah bah alors on a pas la cinématique juste après. Tout va bien, j'espère. Allez, cinématique. Alors Arnaud,
Que diable s'est-il passé sur la place de la Révolution aujourd'hui ? Germain était là. Je connais désormais ses projets. Vous devez... Nous t'avions dit de rester à l'écart de cette enquête. Je sais, mais écoutez... Je sais, mais écoutez ? Est-ce là l'estime que tu témoignes à la confrérie ? Ton attitude ne me surprend pas. J'avais dit à Mirabeau que seule la vengeance comptait à tes yeux. C'est pour ça que j'ai rejoint la confrérie. Oui. Non parce que tu partageais nos idéaux ou par sens du devoir, pour te venger. Pour trouver la rédemption. Ne joue pas sur les mots. Tu n'as cessé de désobéir aux ordres du Conseil. Tu as traqué des cibles sans sa permission et foulé aux pieds le credo à chacun de tes pas. Maître Trenet. À la lumière de ces actes, je n'ai d'autre choix que de demander un vote d'expulsion. Maître Bélier. J'approuve. Qu'est-ce que... Maître Kemar. J'approuve. Arnaud Dorian, tu n'es plus des nôtres. Ton rang et ton titre te sont retirés et tu es désormais à jamais exclu de la confrérie de Paris. Vous êtes devenu fou. Écoutez-moi, je sais ce que prépare Germain. Je peux l'en empêcher. La décision de ce conseil est sans appel. Tu peux partir maintenant. Brasserie Garceau. Mais quand ? Hier soir ? D'ici. Mais... Dehors ! Tu as causé assez d'ennuis pour ce soir. Très bien. Alors dans ce cas, j'irai trouver du vin ailleurs. Wow. Ouais, je me suis fait repérer comme une merde. Je savais pas qu'il allait avoir une phase de combat. Voilà. Bon, on va essayer d'y aller plus discrètement. Comme une
pas, citoyen. Pour dormir. Vous ne nous arrêterez pas. On va se mettre de la vie parce que... C'est un peu de la gruge, mais bon. Alors, c'est quoi ça? L'achat. C'est quoi, frère? On va le prendre tant qu'on est là. Je sais pas si on pourra le prendre plus tard. Il doit y en avoir un sur le toit aussi, je pense. Si ce n'est dans la maison. Tu vois, le mec, il est bourré, mais par contre, il arrive encore à monter les murs. T'inquiète pas pour lui. Bon, bah, j'ai rêvé. Il est... enfin, il doit être dans la maison, mon avis. Ouah, ça tendait un peu là. C'était la nuit dernière. Je l'ai peut-être laissé là-bas. Allez à la brasserie. Oh, la vache. Gros chou pendu. C'est un bordel monstre, la vache. Cette crapule de la touche. La touche. Allez, d'accord. Hop, on prend ça. Et on y retourne. Ouais, je parle beaucoup de la touche. On dirait que des gens se sont battus. Oh Seigneur, non pas toi. Tu n'as pas causé assez de dégâts hier soir. Non, c'est juste que... la montre de mon père, vous ne l'auriez pas vue? Non, je n'ai rien vu. Si tu allais demander à l'un des quatre gars avec qui tu t'es battu. Idiot. Attention! À ta place, je ferai pas ça, mon gars. La ferme, le vieux. Oh là. C'est un. Et d'accord, il est... Ugh.
Voilà. Ouais, il y en a encore. Et je crois que je me suis battu contre 4 gueux. Oi! Toi. Oh. Dis-moi où est ton chef. Oh, diable. Revenez ici. J'arrive. Mais non, c'était une bite. Je veux bien croire que t'as pris une cuillère, mais bon. De le faire un peu pareil. Où est-il? Au palais! Ils sont au palais! Merci. Hop, next. Emportez tout, les gars. C'est mieux que les fermiers et leurs pièces en cuivre. Il y a bien qui va se retourner, non? Non. Qui t'a tué, Antoine? Bon sang. Mais il va me choper si je bouge pas. Bon, alors, qui est le coupable? Où est-il? Oh là là, t'es trop lent. T'es trop lent. Mais tu es mort pour le finir. Voilà. Que tu cours, que ça les agresse, ok, enfin que ça les alerte, ok, je suis d'accord. Mais non, tu peux pas te faire niquer comme ça. Portez tout, les gars. C'est mieux que les fermiers et leurs pièces en cuivre. N'erre pas les autres, s'il te plaît. Merci. Il n'y a pas une fenêtre d'ouverte là? Non. Je peux pas monter. Non plus. Alors, je sais plus comment on fait, changer de cachette. C'est pas du tout là où je veux aller.
Ils auraient dû reprendre le... l'idée de... des Splinter Cell où ils t'indiquent où tu peux aller, parce que... enfin, tu vises où tu veux aller, parce que... Là, moi, j'aimerais bien être couvert, mais non. C'est pas normal. Non, non, il veut pas se mettre à couvert. Il fait la grève. Hop, ça c'est la rage, ça s'appelle. Ouais, d'accord. Il n'y a que c'est Elise que je suis. Je suis tellement tout brouillé, je ne vois que dalle. Mais bon, c'est fait exprès, mais c'est bien foutu. Non, non, non. Moi, je veux que le taille le buté direct. Oh, tu veux, il pisse, ben il pleure. Trop but. Voilà. Next. Hop. Hey, c'est là où je l'embrasse. D'accord, c'est pendant la fête. Ok. Alors, où je vais aller? Je dirais par ici, mais rien n'est sûr. Hop. Je prends l'argenterie. Alors, quand j'en êtes venu, hein? On vient. Oh merde. Bon, ça va, ils sont que deux, ça devrait le faire. Voilà. Bon, je te bute, toi. Pas de respect pour les mecs en rouge. Tiens, étrangement, ces mecs en rouge, c'est aussi les mecs. Enfin, c'est la même couleur que. Que dans Syndicate, les méchants. Dans la rue. Voilà, c'est une petite aparté, sympathique. Alors, je sais pas si c'est parce que justement ils sont d'Abstergo et du coup. C'est du bison. Ça monte à tout l'air. Enfin, pas d'Abstergo, mais des Templiers. Ou... C'est vrai que quand on se dit, il peut peut-être y avoir plusieurs entreprises, mais plus qu'Abstergo. Ah, c'est là où il y a son père qui est décédé ici. Ne puis-je pas venir avec vous, père ? Courage, mon garçon. Tu vas m'attendre ici. Et c'est là qu'il meurt, non ? Et je reviendrai. On sait que c'était l'autre côté. Sera honte. Mort. Bim. Ah, je peux pas lui faire de gros attaques en fait. Voilà.
terminer, je suppose. Arnaud. Tu es dans un sale état. Et toi, tu es venu me demander quelque chose. Comment tu peux dire ça après avoir disparu de cette façon? Tu m'as bien fait comprendre que tu n'avais plus besoin de mes services. Non, je t'interdis de me parler comme ça. Que veux-tu que je te dise, Élise? Pardonne-moi de ne pas t'avoir laissé mourir? Désolé de tenir davantage à toi qu'à la mort de Germain? Je croyais qu'on désirait la même chose. Ce que je désirais, c'était toi. Je n'oublierai jamais que c'est ma négligence qui a causé la mort de ton père. Tout ce que j'ai fait depuis, c'était pour réparer cette erreur et éviter qu'elle se reproduise. Tu n'es sûrement pas venu ici sans raison. Alors que veux-tu? Paris est en train de se déchirer. Germain a conduit la révolution dans les abîmes de la décadence. Les guillotines opèrent quasiment jour et nuit. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? L'homme que j'aime n'aurait jamais posé cette question. Tu vaux mieux que ça. Je rentre à Paris. Tu viens avec moi? Je dois d'abord régler une dernière chose. Très bien. Je vais nous trouver un moyen de transport. Fais attention à toi. Ne te fais pas prendre. Et voilà les amis. Alors on va se laisser sur ce petit écran si, donc je vais pas faire long, les amis. Voilà. Du coup, je vais te laisser, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, et on se retrouve pour l'épisode prochain. Bye. En Londres de Starik, je vous donne ma parole. Et moi, mes rousses.